course, galop, vitesse, plaisir, émotion. Voilà ce que recherche le jockey dans l'exercice d'un art populaire et noble à la fois. C'est pas un métier de bourrin du tout. Les chevaux, si on les prend avec force, on peut pas gagner. Le rapport entre le poids du cavalier et le poids du cheval, s'il veut nous emmener, il nous emmène. Donc c'est tout avec finesse qu'il faut le faire. On est là pour gagner, on n'est pas là pour se promener ou pour s'amuser. On s'amuse aussi parce que c'est notre passion, mais on est là pour faire une compétition. Une course dure à peu près 2 minutes, on a l'impression que ça dure au moins 10 minutes, un quart d'heure. Parce que c'est vrai que chaque seconde est calculée, on se demande ce qu'il faut faire, pas faire, quand est-ce qu'il faut venir, etc. Là, je suis fatiguée maintenant. Sur le retour là au trot, je dis ah ouh. Mais c'est chouette, c'est super. Et c'est magnifique, je vis ma passion pleinement et c'est le rêve qui se réalise de jour en jour. Portraits croisés d'hommes et de femmes, amateurs ou professionnels, qui ont choisi la montée en course pour passion. D'horizons différents, ils ont tous adopté une filière du monde des courses de galop, mais un amour commun les rassemble, le cheval. Les journées sont quand même assez chargées, puisque bon, je commence à 7h le matin, mes premiers rendez-vous. Ensuite, je pars en visite dans la campagne, une visite à domicile. Ensuite, je reprends maintenant 1h30 pour mes consultations de l'après-midi jusqu'à 4h30-5h. Puis je repars en visite jusqu'à 19h. Et puis ensuite, j'ai des rendez-vous le soir de 19h jusqu'à ce que j'ai fini. Mais qu'elle vienne à 20h. Je me suis réservé le mercredi matin à mon activité où mes patients savent que c'est mon associé qui prend le relais. Ça apporte quand même un certain équilibre parce qu'on fait déjà autre chose. Physiquement, ça nécessite un certain maintien en condition. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est de le faire avec conviction et être déterminé. Pour ma part, j'estime ne pas avoir un don particulier pour les courses, mais j'ai une telle envie de le faire, une telle détermination à le faire, que bon, j'arrive à m'en sortir, mais parce que ça me plaît. Et bon, c'est une règle de vie un petit peu, d'essayer d'aller au bout des choses. Il faut la garder dans son métier aussi, on l'applique aussi dans son métier. Allez, au revoir. Merci.